Et donc salut à tous les amis, c'est Dragonfly16 en compagnie de Joker. Salut. Salut. Alors, une petite vidéo. Bon, d'abord je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, on a fait un live avant-hier. Hier. Et Oui, c'est bien ça, avant-hier. hier. Et hier et Et avant-hier. avant-hier. Oui, et en gros, depuis ces deux lives, enfin, entre le premier live et le deuxième live, on avait construit une grande muraille. Tout ça, il y a la rediffusion sur le serveur, sur la chaîne, pardon. Ouais, c'est vrai. Et en gros, on a détruit toute notre maison et tout ça parce qu'on avait construit trop près du spawn. Et avec ça, donc on s'est dit qu'on allait arrêter ce serveur parce que c'était vraiment pas cool ce qu'ils avaient fait. Qu'on avait pris énormément de temps à faire tout ça. Et donc ils ont tout détruit, on avait tout perdu. Et donc on a dû tout recommencer à zéro. Donc pour le dernier live, je sais pas s'il y aura une retransmission sur la chaîne. Non, c'est pas prévu. Ah, ok, il n'y a pas de retransmission. Et en gros, là, on avait dit qu'on projetait d'arrêter ce serveur, donc d'arrêter de tout construire et tout ça, et d'y aller. Mais finalement, on a réfléchi, on s'est dit qu'on va recommencer et qu'on va faire des murailles et tout ça. Et donc, là, on occupait dessus. Donc, on a déjà construit chacun notre maison. Et ici, on est occupé à faire une salle commune souterraine qu'on est en train d'aménager. Et donc, on fera plusieurs vidéos sur ce serveur. Ouais. Et donc, sur cette vidéo, on se retrouvera dès qu'il y aura du nouveau. Parce que là, on construit la salle. Donc, on se retrouve dès qu'elle est finie. Donc, à tout de suite. Et donc, on se retrouve donc. Depuis la dernière fois, on a terminé la salle. Enfin, pas terminé, mais la dimension. On a déjà fait le sol. Mais ça, je pense qu'on avait déjà montré. On a fait une session bois pour aller faire les murs et les piliers. Et voilà, c'est tout, je pense. Hein. Ouais, on le Donc, fera en quoi les piliers alors? on les fera en. Moi, je dirais qu'on les fasse en dark wood. Les Ah non! piliers? Non, non, les speedy, on va les faire en bois de chêne. Je le prends ou? Ouais, tu peux. Mais tu peux déjà. Non, on va d'abord faire tout le mur en dark wood. Ok. Mais moi, je vais aller reprendre une pioche parce qu'elle a On disparu. prend en planche ou bien en... En planche, hein, parce que sinon on n'aura pas assez. Si on aura assez. Non, mais ça, c'est trop de gaspillage. C'est excellent dans le chat ce qui se passe. Pourquoi tu me donnes le chêne? Parce que c'est ce qui Mais reste. moi je vais aller à la maison. Pourquoi? Parce que. Il est en train de se faire complètement niquer. Ah oui, mais le type il dit. Tu vois, en rose, Cold Games, s'il est déjà parti, il met left the game. Mais... Super bizarre. Enfin bref. Voilà, il se passe plein de trucs sur le serveur, c'est excellent, mais en même temps, c'est pas cool pour le type. Ah. Moi une... Ah non, ça va. Ah si, mais je pense que c'est chiant, j'ai perdu une. Ah non, ça va, j'avais pas pris de pioche avec, c'est normal. Youh, je suis rassuré. Attends. On fait tout le mur en dark wood, hein. C'est bien Ouais. ça. Moi, je sais pas normalement, mais je défends le type qui est en train de se faire harceler dans le chat. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont en train. Ouais, ils Ils se sont en foutent train de. Ouais. bien de sa gueule là. Attends. Tu cheats, tais-toi. Si je te croise. Mon petit gars. Ouais. C'est ça qui m'a à chaque fois. Chamal connaît pas. Si! Y'a pas moyen de. En plus, c'est vrai, il écrit en mauve. Donc, c'est. Le type, il sait déjà pas écrire en mauve à la base. Ouais, je sais. Ah, bref. On Il est en train de se sait faire niquer. pas écrire. Attends, moi je teste. Hein. Hop là. Je t'en prie. Teste. On va Ah, si, on juste... sait écrire en couleur. Quoi? On sait écrire en couleur, mais même, on sait pas mettre entre guillemets, comme entre crochets. En gros, c'est comme si on faisait slash tel quoi. Attends.
Ouais. Tu viens aider? Attends, s'achète-t-elle? Ah, je suis là. Ah, tu fais quoi là? Ah, tu fais le mur. Ah, je viens aider. T'as du bois pour moi? Ah, mais j'en prends ça. Mais on montre un seul mur, on va pas te poser en vidéo. Ouais. Voilà. Ah, tu filmes là? Ouais, pas. Ok, ça va. On montre un mur avec un pilier. Ouais, et puis on coupera, et puis on se retrouvera on quand fera on tour off. Ouais. Parce que c'est un peu long, mais comme ça, vous voyez un mur. C'est toi qui viens de tomber? Ouais. Je termine le mur. Voilà. On peut se laisser, je pense. On a déjà fait un mur. Bah, à tout de suite alors. Ouais, on se retrouve dès qu'il y a du nouveau. Ouais. Et donc, voilà, on se retrouve. Alors, on a terminé la salle. Il ne manque plus qu'à faire les piliers. Et donc, voilà. Donc, vous l'aurez sûrement aussi remarqué, c'est une vidéo spéciale parce qu'on fera que des séquences. Donc, chaque fois qu'on aura avancé, tout ça. Ouais. Donc, bah, à la prochaine séquence. Hein. Ouais, on va essayer de terminer les piliers et puis voilà. Ok, puis on se retrouvera. À plus tard. À plus tard. Et donc, on se retrouve. Donc, on a enfin terminé la salle avec tous les piliers. Donc, les piliers sont en bois de chêne. Et le mur sont en dark wood, en bois de chêne foncé, je pense. Ouais. On a incrusté tous les coffres dans le mur. Et on a mis le panneau à l'arrière, donc le panneau pour les privates. On les a mis à l'arrière comme ça, c'est pas moche. On mettra partout des petits panneaux devant comme ça où on pourra mettre des objets. Et donc on va commencer la muraille maintenant. Donc, ouais. On se retrouve dès qu'on l'a fini. À tout de suite. Salut. Et donc on se retrouve. Alors on a fini la muraille. Ben, on peut la montrer. Non. Je sais pas si on voit bien ici. Non. Je suis pas mort. C'est tout juste. Non, il me reste. Casse-toi. Allez. T'as un tricheur. Oh putain. Il me reste un demi-coeur. Il me reste un demi-coeur. Oh Dieu. Bon, on va vous montrer la muraille. Ouais, c'est peut-être le principe, c'est peut-être pour ça qu'on était là. Je peux avoir mon stuff, s'il vous plaît? Je l'ai pas pris. Tu vas en haut et je me tais pas à toi. Quoi? Mais non, je suis à côté de toi. Bah, à côté. La muraille, elle est 4 de hauteur. Ouais. Donc on l'a fait partout 4 de hauteur, parfois plus parce que sinon ça allait pas bien avec, avec le terrain. Et voilà, je suis tombé dans le seul trou qu'il y avait. Putain. Super. Oui. Quoi? T'es tombé où? Ici. Faut boucher ça pour les padoués. C'est quoi ce petit rire? C'est ma soeur. Ok. Alors, la muraille, elle est 4 de hauteur. On a entouré les montagnes, on est passé par l'arrière. Ouais. Parce que sinon, si on passerait par l'avant, on saute et on passe par-dessus la muraille, donc c'était nul. Voilà. On va faire quoi maintenant? Je vais continuer un peu les potions en tout cas. Et moi je vais peut-être entamer la porte déjà. Ah ouais. Ok, alors on... Et puis après ça on va continuer les différents traits qui partent de l'arbre central. Bon, on peut continuer ça en filmant, comme ça fait un peu de vidéo. En filmant? Ouais. Ok. Sous ça. Il y a de la canne à sucre. Non. Il faudrait en acheter et en planter. Oh.
je suis un peu fatigué. Ouais, ben, on le voit. Aïe. Creeper. Débrouille-toi tout seul. Débrouille-toi tout seul. Je sais, et il a explosé de toute façon. On va essayer de faire un joli truc. Parce que c'est en gros, ça doit faire un chemin d'herbe qui va jusque. Qui va jusque. Là. Je monte un petit peu pour voir ce que ça donne. T'es où? Je suis dans ma maison. Ah, ok. Tu sais, me dire ce que ça donne le chemin. Ce que tu te Je suis pas là. Je suis pas là. Mais non, tu sais voir de ta maison. Hein. Non? Si, j'ai des fenêtres. Je vois pas. Tu vois pas le chemin que je viens de faire? Ah si. Il est bien. Allez, ça c'est. Je fais encore des potions force 2. Ouais. Oula. Bonjour. Désolé, je vous dérangeais. On a qui? Un cochon. Putain, t'es con. On fait que des potions force 2. Je fais aussi une potion de rapidité. Fais tout ce que tu peux. Ouais, mais il faudra aller acheter quoi, parce que j'ai pas de canne à sucre. Ok. Nos soucis. Et les poubelles qui passent dans ma rue, ça fait trembler toute la maison. Ouais? Ouais. Je pense qu'il trache comme des putes. Oh, non, ça, c'est un peu poussé. En tout cas, il trache cher. Ouais. En plus, il y avait plein de vent cette nuit, alors je vais pas essayer de m'endormir. Moi non plus. C'est ça que je suis fatigué. Oups. Je viens de faire que de la merde. J'imagine. Oh. J'ai 6 potions de force 2. Bien ça. Moi je vais bientôt aller déjeuner parce que j'ai faim. Ouais. Bah de ce qu'on a. On va te. Enfin. Terminer cette vidéo, hein, je pense. Quoi? On va bientôt terminer cette vidéo. Ouais. Enfin, on reprendra quand la porte sera finie et quand j'aurai fini de déjeuner. Non, souci. Bah voilà, on va faire ça alors. À tout de suite. Ouais, à tout de suite. Et donc, on se retrouve enfin. Donc, on a terminé la salle. On a été faire une petite séance de minage aussi pendant ce temps. Comme ça, on avait des niveaux et moi j'ai enchanté une pioche niveau 30 et j'ai fortune 3. C'est très sympathique parce que quand on casse par exemple un bug de charbon, et ben on reçoit 3 charbons. Voilà. Et voire 4, ça dépend de la chance ou pas. Donc la salle a terminé, on a mis des piliers en bois de chêne et tous les murs en darkwood, enfin du bois de chêne foncé. On a fait toute une ligne autour de Glowstone. Ouais. Voilà. On a mis des coffres partout et on commence à mettre des cadres pour montrer ce que c'est. Il y a un coffre qui bug. On a mis des fours, des jukebox. Et voilà.
Je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. Ouais. Ici, on a aussi mis l'enclume avec le panneau à l'arrière, comme ça, c'est beau. Et voilà, donc on se laisse ici pour aujourd'hui. Ouais. Ok, à la prochaine alors. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et pour ne rien manquer à la suite de notre aventure sur Biome Islande. Donc voilà, merci à vous et donc je vous souhaite une bonne journée. Salut!